temps que vous existez sous cette forme? Sous cette forme-là, on est, ça doit faire c'est depuis le mois d'octobre, enfin notre premier concert sauce à 4. C'était au mois d'octobre, on a fait 5 concerts, je pense, depuis. Le groupe, il est né avec Clément, on avait déjà un autre groupe avant, mais on faisait un truc qui avait rien à voir, quoi. Et on voulait tenter de faire un truc un peu plus lourd, un peu plus comme ce qu'on fait maintenant, quoi. Et donc c'était il y a 4 ans. On a eu donc on était 3, hein, encore 3 il y a pas très longtemps. Et après il y a notre batteur donc, qui est donc pas là aujourd'hui, qui est arrivé il y a 3 ans, je pense. Ouais. Voilà, juste un an après. Et puis voilà, maintenant on est. ça s'est fait assez naturellement. On s'est pas trop pressé, quoi. Tout début, je pense les deux premières années, on a même pris ça un peu trop à la cool, je pense. Hein. Mais non, voilà, on a préparé un second album. Je pense que l'année prochaine, il y a des choses qui vont se passer. Enfin, en tout cas, on va essayer, on va se faire en sorte qu'il se passe des trucs, quoi. À quel moment vous avez décidé d'intégrer le piano, enfin le clavier? Bah, c'est vraiment pendant l'enregistrement du coup du second album, où de base, déjà sur le premier il y avait un petit peu de synthé, quoi. Et sur le deuxième, on est parti du principe qu'on voulait en mettre beaucoup plus, quoi. Voire tout le temps, enfin, même si c'est léger à certains moments, quoi. Puis après, bah, du coup, on s'est dit que. Une personne en plus pour vraiment dédié à ça, pour le live aussi, ça serait intéressant. Ouais. Et pour la personne du goût, on peut se permettre beaucoup plus d'harmonie de voix déjà. Ouais, c'est ça, mais on avait demandé à Hugo de faire des parties synthé, parce que nous, de toute façon, on peut pas les faire, parce qu'on n'est pas. Enfin, c'est pas notre instrument du tout, on n'est pas du tout bon là-dedans. Du coup, bah, ça semblait logique après. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu justement du passage du vinyle où il y avait certes du synthé, mais peut-être moins, à la façon dont toi tu l'as t'as réarrangé pour le bah, du coup, les morceaux, moi je les connaissais déjà parce que bon, je les ai déjà vus jouer plusieurs fois, puis j'avais écouté le disque chez moi aussi, et enfin, du coup, c'était pas forcément aussi compliqué que ça. Puis les morceaux du premier album qu'on joue encore, déjà il y en a peu. Et. C'est assez simple ce que je fais, enfin, je suis un petit peu la ligne des guitares basses, et puis c'est plus niveau de la voix, je pense que ça s'est adapté sur ces morceaux-là. Après, les nouveaux morceaux, vu qu'ils ont été plus ou moins composés comme ça, c'était plus facile, enfin, il n'y avait pas vraiment d'adaptation à faire. Okay. De toute manière, c'est vrai que pour le moment, même si ça prend une place, etc., vu que les morceaux, ils ont été, enfin, même s'il y avait une optique, on était directement dans l'optique de mettre du synthé, c'était des morceaux qu'on jouait sur scène sans clavier avant. C'est vrai que là on va sûrement rentrer dans une période de composition où là on va se poser la question et faire vraiment qu'il se passe vraiment des choses avec le synthé, des trucs peut-être un peu plus intéressants. Là je trouve ça déjà très intéressant, je pense que ça apporte vraiment quelque chose, mais clairement on n'a pas encore composé directement avec le synthé, et là c'est vrai que je suis assez impatient de voir ce que ça peut donner. Nouveau truc en préparation finalement? On n'a pas encore vraiment commencer à composer sérieusement. On avait commencé un peu. De toute façon, là, on est encore en train de mixer le. Parce qu'il y a des nouveaux. Oui, voilà. Voilà. On est en train de mixer le second album. Mais oui, je pense que mois de mars, on va se pencher un peu sur la question de. We'll be right back.
peu du nouvel album? Ben, on l'a fait en nous-mêmes, on l'a fait enfin avec un pote, en autoproduction. Donc là, on est en train de le mixer. En mastering, on n'a pas encore décidé vraiment vers qui on va se tourner. Enfin, je pense que c'était nécessaire par rapport à notre manière de faire le truc. De faire en autoprod, c'est un truc qui était un peu contraignant. Avec le premier album, c'est-à-dire qu'en fait on expérimente directement en direct, et c'est-à-dire que c'est vachement compliqué d'avoir un interlocuteur et d'avoir un intermédiaire alors qu'on est sans cesse en train de remettre en question le truc pendant la phase d'enregistrement et d'arrangement, parce que voilà, on n'a pas, enfin si, on a une idée, mais on veut quand même expérimenter directement, quoi. Donc c'était vraiment, je pense que, en tout cas pour l'enregistrement, pour les prises, je pense que même pour la suite, c'est quelque chose qu'on va potentiellement garder. Après, pour le mix, autre chose, ça, on pourra peut-être déléguer, et puis après pour le mastering, on verra bien, quoi. Mais je pense que c'était un truc vraiment plutôt bon, pour en tout cas pour notre manière de fonctionner. De faire en autoprod. Et le premier album, on l'avait sorti sur trois petits labels de Rouen, en coproduction. Là, j'attends. Je pense qu'on va essayer de démarcher. Un peu plus que déjà pour le premier album, on n'a pas fait grand chose. Le premier album, voilà, comme je le disais, avec ce projet-là, on était dans une. Enfin, on faisait nos trucs, ça nous plaisait, on n'était pas spécialement dans une démarche. À chercher plus, quoi. Là, je pense qu'on va se mettre un peu plus à chercher des trucs et essayer de le défendre. Moi, je pense qu'il y a des trucs intéressants. We'll be right back.
je pense pas qu'on fasse du doom, je pense qu'on est simplement un peu. On croise plusieurs. Enfin, des super crossovers, je pense. Hein. Mm. Et. Je pense que clairement. C'est un peu la force, c'est un peu le défaut du truc. On est un peu ouais, dans un truc super crossover, un peu. Je dirais pas fourre-tout, c'est vraiment négatif, mais bon, enfin c'est assez compliqué quoi. C'est vraiment un truc où il n'y a pas de limite, où on fait un peu n'importe quoi. Et c'était un peu ça qu'on voulait à la base. C'était vraiment faire un truc. Enfin, on avait aucune idée. On pouvait faire des compos dans plein de directions différentes, c'était pas le but. Enfin, c'était pas le but de se recentrer sur un truc. Maintenant, je pense que bon, on essaie quand même de donner une direction. Je sais pas si c'est mieux, si on viendra à autre chose. Mais donc voilà, après, le Doom, oui, bon, enfin, oui, c'était après clairement faire un truc assez lent, quoi, assez massif. Après, dire qu'on fait du Doom. On cherche pas forcément à se dire on va faire une chanson Doom, par exemple, ouais. Qu'on peut. C'est, ça vient comme ça parce qu'on veut donner à des parties une certaine lourdeur. Mais c'est pas le but premier, on va dire. Ouais. Le côté expérimental est plus important, finalement. Ouais. Pour vous. Bah, moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'écoute, c'est vraiment à chaque fois les groupes qui changent un peu de l'ordinaire aussi, ouais. Qui vont tenter d'autres choses, quoi. C'est vrai que bon, après, on le fait pas parce que ça serait vraiment n'importe quoi, mais moi, c'est vrai que si j'étais tout seul, c'est bien que j'ai des gens pour me recadrer, parce qu'on pourrait faire du flamenco et puis de la capoeira, enfin on changerait tous les jours. Moi, dès que je me lève, j'ai envie de faire d'autres choses. Quoi. C'est clair que y a beaucoup d'influences, beaucoup de directions qui sont prises, et puis après on se recentre. Enfin, on me recentre un peu, quoi. Je sais pas comment jauger. À quel point le côté psyché prend le pas, parce que en fait je pense que ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux qui sont vraiment composés comme un morceau psyché et qui sont réarrangés de manière un peu plus brutale et puis un peu plus machin, et après il y a d'autres morceaux où il y a simplement une touche psyché, je pense. Merci, c'est la dernière chanson. Je m'appelle Greffel, on vient de Rouen, la capitale de la Normandie. Thank you.
merci à Krakaus, merci à Adrien Sans France. C'était cool de jouer pour vous, merci d'être venu.